Lorsqu'on analyse le tube digestif, on observe une variété de micro-organismes présents en nombre et en espèces. Exemple, dans la bouche, on observe des micro-organismes responsables de la carie ou de la plaque dentaire. Autre exemple, dans l'estomac. Et des milliards d'exemples dans l'intestin. Expérience. Ces milliards de micro-organismes présents dans le tube digestif, on parle de microbiote, ont-ils un rôle dans la digestion? De l'eau de souris ont été nourries avec les mêmes composants alimentaires. Les souris du lot A ont été élevées normalement. Les souris du lot B sont axéniques, c'est-à-dire élevées en milieu stérile avec un tube digestif dépourvu de micro-organismes. En se nourrissant de la même manière, les souris axéniques B pèsent moins que les souris du lot A. Pour établir un poids équitable entre les deux lots, il a fallu augmenter la nourriture du lot B de manière à lui fournir une énergie supplémentaire de 25%. Analyse. Trois propositions. Commençons par celle d'en bas. Le microbiote consomme une partie de la ration alimentaire donnée aux souris. Le microbiote permet d'extraire plus de nutriments dans une ration alimentaire pour la souris. Rien dans l'expérience n'indique que les micro-organismes consomment une partie de cette ration. Prenons l'affirmation du milieu. Les souris normales ou témoins ont besoin de 25% d'énergie en plus que les autres souris pour produire la même quantité de matière. Réfléchissons. Non, au contraire, ce sont les souris dépourvues de microbiote qui ont besoin de 25% d'énergie en plus que les autres souris pour produire la même quantité de matière. Il ne reste plus qu'une solution. La première, le microbiote des souris aide à extraire plus de nutriments dans les aliments donnés aux souris. En effet, les micro-organismes présents dans le tube digestif ou microbiote permettent d'extraire plus de nutriments dans la nourriture. Souris témoin lot A, souris axénique lot B, on constate que les souris avec microbiote normal stockent un volume de lipides plus important, ce qui conforte l'idée que le microbiote des souris aide à extraire plus de nutriments dans les aliments, il facilite également l'absorption intestinale.